Waouh, c'est extraordinaire. Mais que se passe-t-il encore, Seigneur Scoobon? Mes frères et sœurs, ce que nous venons de découvrir, c'est hallucinant. Une annonce qui parle de portefeuille magique, de valise magique. Tout ça, pour avoir du blé rapide. Ah, Chenou dit, date et pris ça. Rapidement. Sérieux. Et on nous dit aussi que ce sont les génies qui vont même nous donner cet argent. Suivez-nous, nous allons vous montrer cette annonce-là maintenant. Allons au studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'est parti. Suivez-nous. Ah! Vraiment, les gens n'ont plus de retenue. Le monde dans lequel nous sommes fait peur. Regardez ça. Une annonce que je viens de voir ce matin qui montre beaucoup de billets de banque, beaucoup de billets de banque comme ça. Avec une porte, avec un portefeuille, un porte-monnaie qui est là. Et en bas, on nous dit, pour avoir la richesse, avec l'aide du portefeuille magique, valise magique, calebasse magique et d'autres rituels, contactez cette personne. Sérieux? Vous voulez que je contacte le diable pour que le diable puisse me donner quoi? La richesse? Sérieux? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Ça, si je ne vous ai pas montré ça, vous pensez que c'est une histoire. Si ce n'est pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est une bonne affaire? Comment une personne qui a déjà la richesse peut-elle venir faire une annonce pour dire que je veux donner de l'argent aux gens? Alors, contactez-moi. Qu'est-ce que cette personne va avoir en retour? Que va-t-elle avoir en retour, mes frères et sœurs? Que va-t-elle avoir en retour? Si tu veux nous offrir beaucoup d'argent comme ça, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que toi, tu vas avoir en retour? Et qu'est-ce que je vais utiliser pour te payer? En fait, comment ça marche? Les gens ne se posent pas les vraies questions souvent. Les gens ne se posent pas les vraies questions souvent des... Tout ce qui les intéresse, c'est comment faire pour avoir de l'argent. Et ceux qui aiment l'argent, en réalité, ce sont ces personnes-là qui tombent dans des pièges. Regardez même donc, ça. Ce que je vais te dire, c'est le porte-monnaie magique, quand tu as dit que tu as quitté la France. Oui. Pour la France, c'est en euros, on va te faire ça. D'accord. Mais est-ce que je peux avoir deux? Parce que si par exemple, je pars au Burkina maintenant pour rester avec ma famille un peu, comment je vais utiliser? C'est impossible. Une personne, une seule personne ne peut pas avoir de portefeuille magique. Quand tu es en France, ça va te donner jusqu'à 2 500 euros. Au plus, ça c'est 2 500 euros. Okay. Au plus, c'est 2 500. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas en France, il y a trop de rois, il y a trop de lois, il y a trop de règlements, on ne peut pas trop te voir avec beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait que ça dépend de ce qu'il veut te voir se faire, il n'y a pas de problème. Ça dépend du début du travail. Ce n'est pas à la fin, on va dire, non, je ne veux pas que ça me demande. C'est au début, on va tout arranger et puis c'est comme ça, ça se passe. Donc, lui, il est venu là-bas pour avoir cette chose qui pourra lui donner de l'argent. De l'argent en abondance qui va même changer sa vie. Ça m'étonne. Et le mystique lui dit tout sur cette affaire. Et c'est ce que nous sommes en train de même suivre ici. Écoutez très bien. Okay. Ce que tu vois là, c'est un génie. Oui. C'est un génie très puissant. Et c'est lui qui se charge de la multiplication. À chaque fois, tu vas voir mes envois, si c'est moi, le maître Marabout, Alevo Kambada, oui. Et c'est moi qui t'envoie pour te faire, tu dois trouver ce génie dedans. C'est obligé. C'est vraiment important. Okay. D'accord? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et aussi, j'aurais appris qu'il y a des gens aussi qui volent des vidéos et qui font ça. Ils vont reposter des trucs comme ça. Oui. Parce qu'ils ont déjà fait avec beaucoup de mes vidéos de tournage, ils m'ont informé.
C'est pour cela que je vais te dire en même temps mon numéro dans la vidéo que tu es en train de suivre. Au cas où tu vas aller poster, oui, les gens, non, moi je ne suis pas dans ça. Mon numéro, on me souvient 24 sur problème. Si c'est pour quitter le Burkina pour venir, la France pour venir au Burkina, oui, pour, avec ce même portefeuille, oui, tu dois me dire d'avance. Au moins à l'avance de un mois. Comme ça, je vais te dire ce qu'on aura à faire. Les rituels qu'on aura à faire, on va faire. Pour que quand tu vas transporter ça de là-bas, ça va venir te multiplier ça ici aussi. Quand tu vas venir au Burkina, en France CFA. Et c'est 1 million de francs CFA, ça va te sortir. Okay, et au Burkina. Parce que en Afrique, tout pays qui utilise la France CFA, c'est 1 million de francs CFA. Mon porte-monnaie magique, ça multiplie. Okay. Je fais aussi la valise magique qui donne 50 millions de francs CFA. En France CFA, c'est 50 millions. Tu n'es pas venu pour ça, donc il ne faut pas parler de ça. Mais après on va parler de ça. Tu as déjà dit. Non, après on va parler de ça. Je vais, après on va parler de ça. C'est 50 millions de francs CFA. Soit si c'est pour la valise en France comme ça, en euros, oui, ça va te donner jusqu'à 30 000 euros, voire 50 000 euros le plafond. 50 000 euros chaque jour, pendant 21 ans au Nouvel-An. Donc ça n'a pas de conséquences. Mais c'est bien. Et c'est pas que après les 21 ans, tu es obligé de renouveler. Quand ça te va, tu vas dire, on va désactiver le portefeuille, c'est fini. Et puis on va faire les rituels qu'on aura fait pour faire disparaître ça pour jamais, à jamais. Parce que à part toi, personne ne pourra le faire. C'est toi qui as le droit. Ce portefeuille, on ne laisse pas la femme toucher. D'accord. C'est vraiment important. Ce portefeuille, c'est vraiment important. Ce n'est pas du jeu. Il ne faut pas laisser la femme toucher. Quand une femme va toucher ça, ça va tout gâter. En utilisant le portefeuille, il ne faut pas manger la viande de chien ni la viande de cochon. La viande de chien ni la viande de cochon, on ne mange pas. Parce que c'est à base de ces animaux qu'on fait le travail. C'est avec ces animaux qu'on fait les rituels et les sacrifices qu'il aura à faire pour les génies ou pour la multiplication. Donc pour que le portefeuille puisse produire de l'argent, il faut faire des sacrifices pour le génie. Il faut faire des sacrifices pour le génie. Mais que j'ai des sacrifices. Mes frères et sœurs, les gens qui sont même là, eux, ils s'en foutent des démons même qui sont même devant eux. Ils ont même oublié que quand on dit génie, ce sont les démons. Ou encore c'est le diable. Que vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Le diable va vous donner son argent juste comme ça pour rigoler avec vous? Vous pensez que la parole de Dieu nous manque quand elle nous dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère? Vous devez nous croire. Vous devez nous croire. Voici comment les gens vont faire des pactes avec le diable. Tu vois, le chien par exemple, lui, il se coupe de la vitesse du génie. C'est lui qui va donner la puissance à ce génie pour qu'il puisse aller très vite et te ramener l'argent. Et mon portefeuille magique, ça me dit chaque nuit à zéro. Ok, c'est chaque nuit à zéro. Je comprends bien. S'il fait zéro, c'est là que je veux aller ramasser l'argent dedans. Non, ce n'est pas ça. C'est pas forcément à zéro. Non. Ça peut multiplier, je vais laisser et après je vais aller chercher. À zéro. Quand tu vas ramasser l'argent du portefeuille magique, puis tu laisses le génie dedans, tu veux déposer le génie dedans, tu fais. Oui. Et tu déposes ça là, tu déposes ça. Oui. Ce qui fait que ça fait au lendemain matin que tu vas encore toucher le portefeuille pour que tu prennes de l'argent. D'accord. Il faut laisser le génie prendre son temps pour faire son travail. Ce qui est sûr, c'est la nuit à zéro. Et tu as le droit de toucher ça le matin pour ramasser. C'est comme ça, ça se passe. Tel comme je te le dis, les femmes ne touchent pas. Oui. Personne n'a d'autre accès. Et si par exemple, si je ne sais pas, une femme a touché de la sorte, si je n'ai pas bien respecté les conseils et les conditions, qu'est-ce qui va se passer par exemple? Rien de grave, seulement que tu vas perdre ta richesse. Ok, d'accord. Portefeuille magique, ça. Sinon, moi je crois que si par exemple tu ne respectes pas les conditions, j'aurai des conséquences ou des effets secondaires sur moi. Non, c'est je viens de bien préciser. Donc, si vous êtes des jeunes, je ne peux pas vous conduire dans de mauvaises choses. Moi aussi, j'ai pris pas certaines portes avant d'atteindre le niveau que je suis. Tu es venu maintenant, tu as vu la maison. Il n'y a pas une petite maison. Oui, parce que quand moi j'ai venu là, c'est avec, même avec les pratiques que j'ai vu, tu vois là,
Je vois que même là... Et tu vois que tout ça là, c'est moi-même j'ai travaillé pour payer. Non, mais c'est mon travail que j'ai fait et que ça a donné. Mais je n'ai pas travaillé. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas... Non, parce qu'avec les voitures que je viens de voir là maintenant, c'est pas n'importe qui roule ça. Hein. Même au fond, là, c'est pas n'importe qui roule ces voitures. Voici comment l'État fait pour voir les gens. L'argent, voiture, belle maison. Quand il est arrivé là-bas, il a vu les belles voitures, il a vu maison, il a vu tout ça. Ah, c'est que ce gars peut me sauver la vie. Il faut quoi? Et cette personne vous dit, tu sais, je ne peux pas vous donner de mauvaises choses, je ne peux pas vous envoyer de mauvaises choses, donc vous savez. Mais tu es déjà dans des mauvaises choses, déjà. Il y a des génies qui sont là. Une affaire où on parle de génie. Qu'est-ce qui n'est pas mauvais dans ça? Il y a même des bougies ici. Des bougies rouges. Des bougies noires. Et c'était un rituel. Et vous pensez que c'est de la blague? Si tu aimes l'argent beaucoup et tu aimes les belles voitures, toutes ces choses, c'est moi. Tu vas même tomber dans ce piège même, sans même que tes yeux souffrent. Même quand tu vas voir ça. Même si tu vois le diable même là, tu as dit, tu seras même prêt à aller jusqu'au bout. Parce que ce qui t'intéresse, c'est comment faire pour avoir tout cet argent. Or, ta souffrance est derrière. Et c'est toi-même qui tente d'aller t'en mettre dans une grande prison. Après, tu ne sauras même pas comment faire pour en sortir. Ce que je vais te dire tout simplement est que quoi? Le travail que je fais, je ne prends pas de l'argent pour faire le travail. Je n'ai pas besoin de dire, il faut me donner si je veux manger d'abord avant de dire que je veux faire du travail. Non, 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 je ne fais pas ça. J'aurais tout juste besoin de l'argent des rituels, l'argent des rituels, les animaux qu'on va acheter, les produits qu'on ira acheter sur le marché noir appelé marché des marabouts. Parce que on ne trouve pas les produits du travail dans n'importe quel marché. C'est le marché noir appelé marché des marabouts. Si tu ne trouves ça, on ne trouve pas ça aux frontières Nigeria, on doit aller dans le Nigeria pour aller directement à Oyo ou bien à Ibadan. Des endroits spécifiques où on peut aller chercher les éléments pour pouvoir nourrir les génies ou encore les démons là. Et il nous parle de marché noir. C'est-à-dire que là maintenant tu rentres dans l'occultisme. Tu rentres dans l'occultisme. Ça a l'air simple, non? Ça a l'air pourtant simple. Mais c'est exactement ce qui se passe. Même dans le dessus de la musique, il y a certaines célébrités qui vont voir les marabouts. Pour la protection. On leur donne les têtes de mort, des bagues bizarres, des colliers bizarroïdes. On ne comprend pas. Ça a l'air simple. Tu te dis que c'est pour t'arranger, c'est pour te protéger. Mais à un moment donné, quelques années plus tard, accident, boum! Malcrise cardiaque, boum! Les gens meurent, waouh! Comme ça. Et les gens qui sont restés vivants sont là comme ça, les yeux ouverts. Où? La bouche ouverte. Ah! Que ce n'est pas que ce n'est pas que s'il y a. Vous ne saurez jamais ce qui s'est réellement passé. Parce que depuis le début, on vous a dit que c'est sans conséquence. Or, c'est ça même qui vous a tué. Les génies qui vont ici, qui sont ici, vont même vous tuer après. C'est là-bas, j'ai payé les choses. Et je reviens. Et ils vont dans les marchés noirs pour acheter des trucs bizarres. Tu envoies ton argent de rituel, ou bien tu viens avec ton argent de rituel. Avant que tu ne viennes, tu dois me prévenir. Tel comme tu viens de le faire, et c'est déjà, je me suis déjà arrangé pour payer les choses. Déjà que tu es venu, tu as vu toutes les choses d'abord avant de rentrer ici. Oui, j'ai déjà vu beaucoup des animaux que vous avez tués devant moi là-bas. Avant de rentrer ici, oui. Donc, c'est ça la base. C'est ça je demande. On tue des animaux. On tue des animaux. Pourquoi? Pour recueillir le sang. Pour les sacrifices. Si tu as commencé par tuer les animaux, à un moment donné là, on va te demander. Le plus gros. Et c'est ça, ça va commencer le sacrifice humain. Après le sacrifice de bébé. Et toi-même, ces choses vont te détruire à la fin. C'est comme ça, ça marche. Quand tu vas rester à l'essence, tu vas payer l'argent du travail qui va acheter ce genre de choses-là. Ou bien quand tu vas venir, tu vas dire, tu vas prévenir et puis on va s'arranger pour faire le travail, pour acheter les choses. En attendant, quand tu vas venir, on va faire les rituels devant toi. La portefeuille, tu vois là, la vidéo que tu es en train de faire, je ne vais pas faire toute la multiplication dedans. Parce que moi, je ne veux même pas voir la multiplication. Moi, je veux juste voir la peau de la réalité. Je veux voir vraiment si ça existe ou pas. Il n'y a pas de problème. Le portefeuille, ça existe vraiment. Et cette personne confirme que le portefeuille magique
existe vraiment et que ça a des effets, ça marche, ça fait tout. Nous avons déjà traité des vidéos où on vous a montré des gens qu'on multiplie pour de l'argent, qu'on fait des trucs. Ça fonctionne, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Le diable, pour vous donner de l'argent, là, ça ne lui prend même pas du temps. Il peut vous donner de l'argent même tout de suite, à l'heure, tout de suite, quelle que soit la somme que vous voulez. Mais c'est au plus grand prix, au prix de votre âme, au prix de votre âme. Ah, ton âme n'a pas de prix, mon frère. Ton âme n'a pas de prix, ma soeur. Ne te laisse pas avoir. Hé, qu'est-ce que tu vas changer pour avoir ça? Tu te dis sans doute que ce sont les sacrifices des animaux, rien ne se borne, ne nous fait pas peur. Ouais, c'est possible. Ça va commencer par là. On commence toujours par un pour arriver jusqu'à 1 milliard. Non? 1 euro. Bon, 0, 0, 0, 0. En tout cas, on commence par A pour arriver jusqu'à Z. Faites attention. C'est un chemin mauvais. Nous ne devons pas vous laisser comme ça dans l'ignorance, sachant que le monde des ténèbres a décidé d'apparaître au grand jour. Maintenant, ce n'est plus caché. C'est là le danger. Tout le monde, tous les gens, toutes les personnes vont aller voir ce genre de choses. Il faut se laisser avoir des annonces qui sont en train de se publier, c'est-à-dire se multiplier sur Internet. C'est pas tout ce qu'il y a sur Internet qui est vrai. Nous sommes là juste pour vous donner de bons conseils. Si vous êtes d'accord avec tout ce que nous avons dit, et si vous pensez que nous avons bien fait, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes. C'est parti.